Ah mais c'est pas bête ça, tiens, voilà. Et bah déjà on peut les applaudir pour leur donner du courage. Hein. Ah non, j'ai rien dit, pas applaudissez pas, applaudissez pas. Ils ressemblent à des touristes. Bah oui, dans la ville ça va très bien, mais dans la ferme c'est limite limite. Hein. Bah attendez, bougez pas, je suis. Ma mamie qui m'a tout appris, elle m'a toujours dit quand on doit exploiter des enfants, les prendre bénévolement. Faut quand même les équiper un peu, c'est important. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Je vais faire voir ça pour toi, c'est pas mal. Je te laisse faire le nœud derrière pour s'en gagner un petit peu de temps. Pour toi, ma puce. Oula, ce n'est pas genré du tout, je ne vois pas de quoi vous parler. Et pour toi, mon grand, oh là, je dois avoir un petit truc parfait. Ça, ça doit être pas mal. Qu'est-ce qu'on a pour terminer le tableau? Ah, ça, c'est pas mal, ça. Habiller la biquette? Non, mais ça va pas! Qu'est-ce qu'on a? Ah. Attends, on va changer de casquette de rencontre parce qu'il est 19h celle-là. C'est pas farmer ça. Pour toi, mon grand, oh là, celle-là doit être nickel. Oh, elle est parfaite. Et pour toi, ma puce, oh là, j'ai un petit truc mignon. Ça appartenait à mamie quand elle allait manger des crêpes en 1812 en Bretagne. Oh là là, avec les lunettes, j'adore. Ah, le style de tueur. Ah, Papy Vidéo. Allez, tout le monde, on dit bonjour à Papy Vidéo. Bonjour. Bonjour. Mais du coup, il reste plus que toi équipé. Bouge pas. J'ai ce qu'il faut. Ah, il voulait pas, mesdames. C'est avec ça que ma vie est draguée, Papy. Et bah quitte à terminer le tableau, il y a les pour de vrai. C'est fichu. Ah, vous l'avez vu arriver tout de suite. Bah oui, faut ça. Ah, ça me fait un petit dossier, ça. Oh là là, tu es parfaite. Et ben là, on peut les applaudir très fort, ils ressemblent à quelque chose. Alors les enfants, vous allez pouvoir descendre dans la ferme. Je vais aller chercher Madame Chaussette. Les enfants, on va mettre la chèvre sur la table. Mamie, pardon. C'est qu'elle a, même sous les lunettes, je vois qu'elle a le même regard en colère contre moi que ma mamie. Alors tiens, tu peux te mettre exactement à ma place et tenir le frein. Ok. Les enfants, je vous mets une casserole. Au boulot! Allez au boulot! Ok. Ah mais attendez, je vous ai même pas montré, moi, n'importe quoi. Excuse-moi, béton. Bien, regardez les enfants, tous les deux, vous pouvez vous asseoir sur le canapé. Tiens, du coup. C'est bon, ok. Attends. Tiens, Maria, viens, ma puce, tu vas venir m'aider, toi. Bon, tu vas te mettre devant moi. Et oh, cochon, ça va pas être possible, ça. Alors, moi, je vais me mettre comme ça. Derrière ma puce, moi je vais me mettre comme ça, tu vas appuyer là et ça va faire couler le lait comme ça. Ok? Vas-y, tu appuies. Appuie fort. Super fort. Ah, la gueule!
Eh ben, vous pouvez l'applaudir parce qu'elle a du courage de le faire. Ah, toi, t'es grand, tu le fais tout seul. Hein. Est-ce que tu peux aller t'asseoir maintenant? Tu peux t'asseoir sur le canapé? Non, mais pas la tête! Oh là là! Vous pouvez l'applaudir, il le fait tout seul là! Mais t'arrêtes d'embêter de manger les enfants! Mais excusez-moi, madame, vous pouvez me tenir ça, s'il vous plaît. Alors, bah, tiens, on va faire le troisième enfant. Viens avec moi, tu voulais bien prendre le lait. Tu voulais bien prendre le lait. Tu appuies ici et ça fait sortir le lait. Vous pouvez l'applaudir, il est courageux, cette bijou là. Bon, quand même, je vous avoue une question de tarot. Surtout quand il y a une vidéo, je veux voir comment ma mère s'en sort. Et attention, démonstration de mamie. Oh là là, wow. Ça marche, on peut applaudir mamie, elle est forte. Mais on va passer à la vitesse supérieure parce que Cochon va nous faire un infarctus. Excusez-moi les enfants, Cochon il en peut plus. C'est bon, tu peux relâcher la chaîne. Les enfants, on va mettre le lait dans le biberon. Mais sortez vite, c'est pareil. Attends, j'en ai plus trop. Et là, les enfants, on va rien faire. On a un seul biberon pour trois bébés, comment on fait? Oh non, je sais. Tour de magie, Tiligolo. Un tour de magie comme vous n'en avez jamais vu et comme vous n'en reverrez jamais. Tu peux me laisser présenter? Un budget à la David Copperfield. Une illusion à la Gérard Majax. Ah ouais, ouais. Hein. Je me pense avec un biberon. Et je reviens avec toi. Ah, bravo. Non, on n'applaudissait pas ça. Alors tiens, ma chaussette, tu vas pouvoir descendre. Descends, ma belle. Tiens, ben, regarde mon grand, on va reculer un peu la table. Toi, tu vas t'installer juste là. Toi, ma pluie, tu vas t'installer juste là. Et toi, mon grand, viens avec moi. Tu vas t'installer, on va prendre ça là-bas. On va te faire un petit canapé par là, parce que là-bas, il faut tout ça. Et les enfants, je vous amène les animaux, vous êtes prêts? Attention, ma vue, tu attrapes le biberon. Tu attrapes le biberon. Viens mon cochon. Ah, c'est pour lui ça. Ouais, ça y est cochon, ça y est. C'est ça qu'il voulait. Il est bon. Bon, apparemment, le tablier est meilleur que le lait pour le chevron. Il hein. Faut en prendre conscience. Mais t'inquiète pas, mon grand, parce que cochon, lui, c'est un glouton. Il a presque fini. Thank you.
On va faire un truc de fou. On va tous se donner la main tous ensemble. Ah, c'était bien. Et là les enfants, je vais compter jusqu'à 3. À 3, on va se pencher en avant. Et tout le public sera là. Wouah ! Juste pour vous. Vous êtes prêts ? 1, 2, 3. Wouah ! On va faire une deuxième fois et encore plus de bruit ! Quand même, hein, comme l'aurait dit mamie, en fin de journée, quand on a bien travaillé, on rend son tablier. Les enfants, vous avez super bien bossé, je récupère. Et mamie, tu m'en donnes ma tenue. Hein. Non, parce qu'à chaque fois, c'est assez quoi une fois dedans. Oh là là, c'est très bien. Hein. Tiens, petit chat. On ramène. Abelia, vous venez? Abelia? Maman, je viens rester. Les filles.